Salut à tous. Allez, aujourd'hui, je vais vous parler de mon achat, le capot de selle pour la Kawasaki Ninja 650. C'est parti. Alors, ce capot de selle, je l'ai acheté sur Amazon. Je l'ai payé 59 €. Bon, clairement, c'est un produit que vous trouvez également sur AliExpress. Vous le payerez un poil moins cher. Mais par contre, les délais de livraison seront beaucoup plus longs. Moi, je l'ai eu en même pas 5 jours. Donc, l'emballage était très soigné. Aucun risque de casse. Il y a deux petits loquets qui sont fragiles, mais qui sont arrivés en parfait état. J'ai eu les 4 caoutchoucs à monter ici, 2 à mettre là et 2 à coller ici. Dans le colis, il y avait également ceci, des clés Allen. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce qu'en fait, on ne s'en sert pas. Mais bon, c'est livré avec. Donc on va procéder maintenant au montage. Je vous montre comment mettre le capot de selle à la place de la selle d'origine. Donc on commence par retirer la selle d'origine. Tac. Donc quand vous allez ouvrir, donc il y a cette patte qui va être ici. Voilà, donc là en fait, ici, il y a une patte. Il faut démonter avec une clé de 10 les deux vis qui sont ici, enlever cette pâte métallique. Pourquoi il faut l'enlever? Parce que ce bout de plastique est beaucoup trop large sinon pour entrer dans la partie métallique qui est prévue. En le retirant, du coup, ça passe nickel. Donc après, une fois que ceci est retiré, ben, que vous avez collé tous vos bouts de caoutchouc comme je l'ai dit précédemment, l'opération est terminée. On met à rentrer le premier cache. Voilà, ça s'est emboîté, c'est fini, le capot de selle est fixé, c'est terminé, vous avez une moto magnifique.